ce temps. Et bien, pendant ce temps, je vous présente mon coup de cœur. Alors, tournez-le un petit peu l'étiquette. Voilà. Voilà. Donc, le coup de cœur, on va en Languedoc-Roussillon pour un Côte du Roussillon Village. Comment Mathieu, il s'est entraîné? Comment il va super vite? Voilà, c'est. Ça sent le gars qui allait regarder. On n'agresse pas ses collaborateurs. Donc, le domaine, c'est une vin calvaire. On est sur un millésime 2014. Il porte un très joli nom. Ça s'appelle l'Amourette. Oh, c'est une mignon. Cuvée qui est issue de deux cépages. 60% mouvèdre et 40% de grenache noir. Le nez est très expressif sur le réglisse. Ah ouais. Également les notes de cacao, de fruits rouges, un peu épicé en bouche. C'est un vin qui est ample, qui est sur le fruit et les épices. Les tanins sont soyeux, c'est harmonieux, avec une belle finale minérale qui amène énormément de fraîcheur. Très jolie Côte du Roussillon Village à découvrir. Ça, et à un prix ultra sage. Un coup de cœur d'apicurien. Ah ouais, un coup de cœur apicurien. Voilà, le vin de l'été. Mais comment l'été. Vous faites? Vous allez voir les vignerons, vous leur dites trouvez-moi, mettez-moi vos petites pépites que je les. Non, on sélectionne des vignerons, on demande évidemment à goûter plusieurs cuvées et on sélectionne les cuvées qui nous semblent typiques de l'appellation et qui correspondent aussi au goût des consommateurs actuels. Vous savez qu'en bon pragmatique, je demande souvent le prix des choses. Oui. Là, on est dans les 11 euros. 11 euros pour un très joli petit vin. Pas petit vin. Un très joli vin, digne de son appellation, et vraiment ça sort des sentiers battus. C'est une appellation à découvrir, Côte du Roussillon, Village.